Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va s'attaquer à une partie 2 d'une fan animation qu'on a découvert ensemble sur la chaîne il y a un mois. C'était le sommet des Kage, un what if où les Kage mettent une PLS totale à Naruto par rapport à son fils qui est dangereux par rapport à Momoshiki et Gaara qui demande à Naruto de tuer son propre fils. Et beaucoup d'entre vous m'ont harcelé clairement pour cette partie 2 en me disant que c'est digne d'un film. Alors j'ai hâte de voir ça parce que là ça m'interroge puisqu'on avait découvert cette nouvelle transformation de Naruto dans la partie 1 et là je pense que Naruto va être fâché colère, donc c'est signé GMS Animation. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et on va découvrir ça ensemble et on va s'enjailler comme Jaja. Donc c'est parti, le Mizukage dans les cailloux. Gaara qui est mieux coiffé que d'habitude d'ailleurs là. C'est une sacrée PLS. Le Jogan. Это что ещё за чертовщина? Вот же ж. Надо спешить. OK. Ils ont la goutte, hein. C'est la grande sueur. Ah. Naruto, прости, но как твой друг, я не могу позволить тебе сделать этого. Это совсем на тебя не похоже, Наруто. Что же ты задумал, болван? Надеюсь, это то, о чем я думаю. То одиночество, через которое мы с тобой прошли, никому из присутствующих Каги тебя не понять. Но я знаю. Ты не хочешь возвращаться к этому. Наруто, что ты... Посмотри на... А камен! Они решили, что без твоего ренегана и силы Курамы мы не сможем дать им отпор. Мир, который мы создали, держался лишь на... On a un Naruto qui est un petit peu déçu de la situation quand même, hein. Oh la badassitude! Oh la prestance! Ah, Boruto. Il est magnifique ce Naruto. Теперь вы видели, что и без силы Курамы, мощь Канохи вам не по зубам. Это была лишь демонстрация силы, которую вы должны были ощутить. Прости, Наруто. Я погорячился. Гоменасай, Наруто. Спасибо, Гаара. Я знал, что всегда могу на тебя положиться. Хм. Демонстрация силы, значит? Ха. Значит, я был прав. Ты все еще самый непредсказуемый шиноби в мире. И уже не такой болван, ouais, Наруто не pas un шиноби, comme les autres, c'est sûr. Ну вот. И что это сейчас было? Черт, напугал. Глупый отец. Не ожидал я от тебя такого. Это должно сработать. Думаю, они больше не будут наглеть, но ты, кажется, не рад. Как я и говорил, это была лишь демонстрация силы. Но я правда разозлился. То, за что я боролся всю жизнь, оказалось лишь страхом перед неудержимой мощью. Неужели все работает только на этом? Сдается мне, это проблема шиноби нашего и прошлых поколений. Le problème des shinobi passe des générations par rapport à la quête de puissance, etc. Я верю, что в них не будет столько злобы. On est clairement dans une guerre froide. По крайней мере, я приложу все силы, чтобы так и было. А я и не знал, что ты такой оптимист, Саске. Пожалуй, ты прав. Мне просто нужно многое переварить. И я уверяю, мы обязательно найдем выход. О!
Ok, donc là, ça se termine ici, on va débriefer ça tout de suite, puisque c'est une grosse patate douce. Clairement, cette partie 2 de ce What If du sommet des Kage est juste incroyable. C'est beau, c'est fluide, c'est vraiment très stratosphérique, et franchement, ce coup de pression du turfu que Naruto met au Kage en question est juste incroyable. Alors, grosse interrogation sur cette forme, cette transformation, puisque Naruto, il a l'apparence du mode Kurama, mais il n'a plus Kurama à ce moment-là, donc est-ce que on veut nous expliquer que Naruto a encore la porte ouverte en mode 3G, 4G, 5G avec les bijoux, fort probable, et avec aussi eh bien, l'énergie naturelle, donc le senjutsu. Alors ce que je kiffe réellement dans ce What If, c'est surtout l'ambiance guerre froide. On a les Kage qui veulent en profiter de cette perte de puissance de Sasuke et de Naruto pour couper l'herbe sous le pied à Konoha. Et j'aime réellement cette ambiance, pourquoi? Puisqu'on a des vraies interrogations dans cette fan animation, c'est-à-dire que Naruto et Sasuke se posent cette question, et qui est légitime, qui est que malgré le temps qui passe, les générations, tout est faux semblant, et Naruto se prend cette vérité en pleine face qui est que si il y a la paix actuellement, en tout cas jusqu'alors, c'était parce que lui et Sasuke étaient au-dessus de tout ce qui se faisait dans le monde shinobi. Mais que maintenant, eh bien, qu'ils avaient perdu leur pouvoir, eh bien, leur allié était prêt à leur couper de l'herbe sur le pied. Et ça, franchement, c'est cool, puisque eh bien, on reprend quelque chose qui est très politique et réel dans la vie réelle. Maintenant, très clairement, même si ce What If est très fanservice pour cette nouvelle forme de Naruto, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas impossible sur le papier, c'est-à-dire un Naruto qui cultive son art du senjutsu, du mode ermite, plus eh bien, le pouvoir de l'ermite Rikudo et les bijoux. Donc pourquoi ça ne donnerait pas eh bien, une apparence similaire? Pourquoi pas? Parce que franchement, ce Naruto est très classieux, et j'ai adoré ce coup de pression cosmique au Kage. Pourquoi? Puisque ce Naruto me fait penser brièvement au coup de pression que Tobirama et Hashirama ont pu mettre dans la 4ème grande guerre shinobi lors de leur rencontre face à Sasuke et Orochimaru. Après, très clairement, nous sommes dans une fan animation, on peut se permettre certaines libertés et rester dans de la cohérence, et pour le coup, GMS Animation, je pense qu'il a fait exprès de ne pas intituler cette nouvelle forme de Naruto pour que nous puissions faire notre propre hypothèse de cette nouvelle transformation. Alors peut-être qu'il y aura une partie 3 avec des explications, mais si c'est pas le cas, libre à nous et à notre imagination de trouver une cohérence à cette nouvelle transformation que Naruto expose face au Kage. Pour moi, je vois bien un mix entre le senjutsu et le mode Rikudo et le pouvoir des bijoux. A vous de me dire en commentaire ce que vous voyez, et si jamais s'il y a une partie 3, si vous êtes intéressé pour la découvrir ensemble. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur cette nouvelle fan animation qui était réellement une pépite. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. GMS Animation 17K sur YouTube, faut aller le follow, c'est vraiment un bijou ce mec. Et pour le coup, je suis toujours désireux de découvrir des nouvelles fan animations sur Dragon Ball, sur Boruto, sur Naruto, puisque il ne faut jamais oublier que c'est fait par un fan, pour des fans, et ils sont généralement seuls dans leur canapé ou dans leur bureau à faire ceci avec une qualité de professionnel ou proche du professionnel, et ça c'est juste incroyable. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce like, à très bientôt, tchuss !